émotion était vive le lundi 24 juillet au lycée classique d'Abidjan. La proclamation des résultats du bac 2023 a fait vivre aux candidats toutes sortes d'émotions. Finalement, les plus méritants viennent de décrocher leur premier diplôme universitaire, le bac. Bon, ici, je suis vraiment content d'avoir eu, après tant de travail, le respect, si, tout ce qu'on croit en moi, mais tout ce qu'on croit en moi, c'est le respect. Si. Merci aux parents pour l'argent mis dans ce projet-là. Merci car. À tout ce qui m'a pris depuis le mois d'octobre, septembre jusqu'à maintenant. Merci pour la sculpture qui m'a entretenu. Merci vraiment reconnaissant envers eux. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui ont cru, particulièrement ma maman. Maman, c'est pour toi. C'est pour toi que j'ai eu ce bac-là. Il a dit que ça s'est gâté. Ma maman, elle t'aime. C'est pour toi. Je remercie mes professeurs. Oui. Parce que c'est eux et mes parents aussi qui m'ont mis à l'école. Ah. Parce que c'est grâce à eux que j'ai dit qu'il y a eu mon bac. Oui. Je remercie tout le monde, je remercie mes amis. J'espère que mes amis auront le bac comme moi. C'est tout. Comme la vie est faite de dualité, pendant que certains pleurent de joie, d'autres ne peuvent retenir leur tristesse. Ils étaient 340 213 candidats sur toute l'étendue du territoire national. 109 166 sont admis, soit 32,9%.